La classe 456 Turpange Belgique vous présente l'histoire de Belgique. Un projet Comenius 2013-2015. Pourquoi ces dates sont-elles écrites en rouge? Demain, je vais demander pourquoi. Vive la Belgique! Révolution! Indépendance! Révolution! 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 Depuis 1815, après la bataille de Waterloo, les Belges sont gouvernés par les Hollandais dirigés par Guillaume d'Orange. Ils ne sont pas contents de cette situation. Le 27 septembre 1830, après avoir assisté à l'opéra de la Muette de Portici au théâtre de la Monnaie, ils sortent dans la ville et se révoltent. En 1831, la Belgique devient indépendante. Le 21 juillet, Léopold de Saxe-Cobourg-Gotha devient le premier roi des Belges. Je jure fidélité à la Constitution et au peuple belge. En 1835, Léopold Ier inaugure le premier chemin de fer belge, qui relie Bruxelles à Malines. En 1908, Léopold II cède le Congo à la Belgique. Le Congo devient alors la première colonie belge. De 1914 à 1918, la Première Guerre mondiale fait rage. C'est principalement une guerre de tranchées. Elle est très meurtrière. Le roi Albert Ier se bat avec les soldats. C'est pour cela que les Belges l'ont beaucoup apprécié. L'armistice est signé le 11 novembre. C'est le traité de Versailles. En 1939, la Seconde Guerre mondiale éclate. Elle dure jusqu'en 1945 et elle est encore plus meurtrière car l'armée utilise des chars, des avions et des armes plus sophistiquées comme la bombe atomique. L'armistice est signé le 8 mai. En 1957, six pays dont la Belgique fondent l'Union européenne. Ils signent le traité de Rome. En 1958, l'exposition universelle a lieu à Bruxelles. Les Belges construisent l'atomium, qui représente un atome de fer. Il est encore aujourd'hui le symbole de la Belgique. En 1960, le roi Baudouin I signe l'indépendance du Congo. En 1991, le roi Baudouin signe l'abolition de la loi salique, qui interdisait aux femmes de monter sur le trône. Nous pourrions avoir une reine à la tête de notre pays. En 2000, le roi Albert II assiste au changement de monnaie. Le franc belge disparaît, notre monnaie est l'euro. Depuis 2013, nous avons un nouveau roi, le septième roi des Belges. Le roi Philippe.